Salut à toi, futur businessman, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver donc dans une petite vidéo. Je vais un petit peu faire, j'ai envie de partager un petit peu mes résultats en fait de ces dernières semaines avec toi. Donc tu le sais peut-être sûrement, j'ai fait une petite vidéo la dernière fois pour te dire qu'en fait j'avais des formations qui étaient disponibles, donc notamment des formations, donc trois formations d'affiliation avec un super entrepreneur donc qui va t'aider à pouvoir créer un blog qui va te rapporter. Et moi je proposais donc ma première formation donc qui s'appelait Esprit Entrepreneur. Et cette formation en fait te permettait de vraiment t'aider à développer justement cet esprit d'entrepreneuriat. Donc là aujourd'hui je vais vraiment te partager un petit peu les résultats de la semaine. J'ai pas fait une vidéo donc la semaine dernière, tout simplement parce que justement j'avais pas mal de taf à faire. Donc je suis vraiment désolé, je suis au bord de la route, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Là en plus je suis en train de passer à côté d'une usine, pareil ça va faire du bruit, donc je suis désolé, je vais essayer de parler fort et ça va vous permettre aussi d'être un petit peu attentif à ce que je dis. Alors donc cette semaine j'ai dû travailler assez dur pour un client, donc tout simplement pour lui créer son site internet et pouvoir mettre un système de vente de tickets en place en fait. Donc typiquement voilà, c'est un site, pas un site e-commerce mais un site de présentation, et à la fois où les personnes vont pouvoir acheter des tickets pour un événement. Donc c'est un gars qui fait de l'événementiel, donc il voulait ça assez rapidement, donc c'est pour ça que j'ai taffé toute la semaine dessus et j'ai pas eu le temps. Normalement faut pas vous sortir cette excuse de j'ai pas le temps. J'aurais pu avoir le temps, mais j'étais absolument pas concentré pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Donc tout simplement, par rapport à cette expérience-là, donc le fait de passer une semaine à être vraiment productif sur un seul domaine, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous en fait. C'est que si vous avez quelque chose à créer, d'accord, si vous avez quelque chose à faire, surtout si c'est pour une autre personne, mettez une plage. Enfin, préparez-vous vraiment à passer un certain temps d'affilée dessus. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mis un petit peu à côté tous mes autres business. Parce que vous savez, en tant que businessman, j'ai plusieurs secteurs d'activité. Donc, j'ai un petit peu délaissé mes autres secteurs d'activité vraiment pour me concentrer que sur celle-ci. Parce que, donc là, c'est un test que je fais. Hein. C'est savoir si je peux gérer tout en même temps. Ou alors je me concentre, donc par semaine je me concentre sur un seul business. Donc là je me suis concentré sur un seul business et j'ai tout fait en une semaine en fait. Donc j'ai créé le site, j'ai créé un moyen de paiement sécurisé, donc j'ai tout fait. Et normalement là le site devrait être assez bien mis en place quoi. Et il va pouvoir faire ses ventes dès la semaine prochaine par exemple. Donc tout ça c'est parce que j'étais vraiment productif en une semaine. Et les autres semaines, durant cette semaine là j'ai pas du tout été productif sur les autres business. Ce qui fait que j'ai perdu un petit peu de la valeur par rapport à mes autres business. Donc par rapport à ma chaîne YouTube, vu que j'ai pas sorti de vidéo, vous avez sûrement pu le remarquer, j'ai un petit peu une baisse quoi, une baisse de flow. Donc ce que je vous recommande c'est de vraiment découper en plusieurs parties tous vos activités, tous vos secteurs d'activité. Si vous en avez qu'un, c'est très bien, vous pouvez aller à fond dessus. Mais si vous en avez plusieurs, ou alors si vous voulez vraiment développer plusieurs secteurs d'activité, segmentez-les, d'accord, à des jours ou des semaines, ou voire même des heures. C'est-à-dire que moi j'aurais peut-être pu passer 3 heures sur ce site là, ensuite 3 heures à préparer ma chaîne, enfin une vidéo ou à faire un montage pour ma chaîne YouTube, ensuite l'après-midi je passe 5 heures pour pouvoir faire une vidéo de danse, et le soir je passe 2 ou 3 heures pour pouvoir passer des appels pour un autre secteur d'activité. Enfin voilà, segmentez votre travail
pour être beaucoup plus productif et pouvoir gérer plusieurs activités en même temps. Voilà ce que je voulais partager avec toi. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine et surtout fonce dans tout ce que tu fais. Ciao ciao.